Hey yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore sur Fortnite. Aujourd'hui on se retrouve pour 2-3 petites choses. Alors aujourd'hui j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Moi j'ai eu mes petits chocos, donc je vais vous les montrer. Donc une petite cloche avec des chocolats qu'il y avait dedans. Donc je vous le montre vite fait parce que faut que je le remette au frais, parce que sinon avec la chaleur ça fond vite. Alors je vais faire vite fait le topo et puis je rangerai après ça. Alors, il y aura plusieurs parties sur cette vidéo. Donc, on va déjà parler vite fait. En lien de description, il y aura mon Instagram. Pourquoi? Parce que je vais commencer à faire un peu plus de photos, de vidéos, des trucs comme ça. Donc, si ça vous intéresse, il y aura mon Instagram en lien de description. Et si vous n'arrivez pas à me trouver, de toute façon, c'est Drake Survie. Donc voilà, si dans ces coups de temps-là vous arrivez vraiment pas à me trouver, ben je vous donne, c'est Drake Survie, c'est pas plus cher. Je vous invite à aller checker, puis parce que je vais vous faire quelques petites stories sur les futures vidéos qui sortiront, les petits trucs à droite à gauche. Si voilà, je ferai des petits sondages sur Insta. Je ferai des petits trucs à droite à gauche. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Je reviens dans 5 minutes. Et 5 minutes pour vous ça sera tout de suite. Mais on se reprendra sur Fortnite. A tout de suite. Alors les gens, bon, donc on va entamer sur Fortnite. Alors, trois choses. Aujourd'hui, on va aller en labo de combat où je suis déjà. Et je vais vous parler de map XP. Alors, je ne sais plus si j'en ai parlé ou quoi dans d'autres vidéos. Mais il y en a une qui a fait des mises à jour. Et je voudrais voir si ça s'est bien déroulé. Si il y a des trucs qui sont nouveaux. Et de toute façon, moi, j'avais déjà passé pas mal de temps dessus. Même si j'arrivais pas à aller très loin. Donc, on fera labo de combat, qu'il y a normalement maintenant. Donc, j'ai mangé du chocolat. C'était pas bon, c'est pas cool. Il y en a plein et non, ça colle. Donc, comme vous le voyez, je suis en labo de combat. Et je voulais voir un peu à droite à gauche ce qui avait changé. Alors, comme vous le voyez, je suis niveau 64. Alors, j'essaye pas de tricher ou quoi que ce soit. Je fais des maps XP. Je vais vous le dire tout de suite, je fais des max XP, c'est pour augmenter, mais pas non plus de 60 niveaux d'un coup. Parce qu'il y en a, ils ont commencé à emballer sur c'est de la triche, machin. Oui, c'est un peu de la triche, mais si c'était pas de la. Si les maps sont sur Fortnite, c'est que Fortnite autorise l'XP supplémentaire qu'on va chercher. Donc moi j'ai envie de dire. C'est pas vraiment de la triche si Fortnite nous autorise. Donc voilà. Donc moi je suis venu déjà sur Fortnite en labo parce que il y avait 2-3 trucs qui me semblaient un peu bizarres, qui spawnaient un peu à droite à gauche. Alors je suis, comme vous le voyez, en bas, donc entre Bourg Genesis et Cornon Cayon. Donc qui est juste là, donc la petite zone. Et en fait il y a 2-3 petites choses qui sont en train d'apparaître. Donc il y a les golems de pierre. Je crois bien qu'ils étaient déjà dans les premières saisons, donc sur la première map. Et je trouvais que ça faisait bizarre en fait, parce que le souci c'est que si on regarde bien, alors on va aller petit à petit. Il y a ce golem là avec un bébé et il y a ce golem là qui est en train de viser, mais normalement, si je me trompe pas, il y en a un autre. Je l'ai paumé. Il y en avait peut-être que 3. Alors moi je trouve que ça fait un peu bizarre en fait, des golems comme ça, parce que clairement c'est de la pierre, mais on dirait qu'il fait quelque chose. Donc on dirait qu'il monte, qu'il va chercher quelque chose.
Mais c'est quand même bizarre qu'ils aient fait des constructions un peu comme ça, Fortnite. Alors dites-moi en commentaire si c'est normal, si Fortnite a voulu faire quelque chose et ils savaient pas quoi mettre, donc ils ont mis des golems. Mais normalement, il y avait des buissons là et ils ont changé les buissons en pierre. On peut les casser. Donc c'est plutôt intriguant, moi je trouve, c'est un peu bizarre. Et il y a pas si loin de là. Alors là, c'était sur la map qui était avant, donc la saison 2. C'était les statues de l'île de Pâques. Alors moi j'appelle les statues de l'île de Pâques, mais c'est celle-ci. Donc elles étaient un peu à droite à gauche. Alors attendez, normalement elles sont pas loin. Elles sont là. Donc elles respawnent et bizarrement il y a des poteries de la saison dernière de l'île d'avant, et les statues de l'île de Pâques respawn un peu à droite à gauche. Donc il y en a encore une qui est en train de spawn là, comme vous le voyez. Alors je pense, alors à part si Sloane nous fait un super séisme et les statues disparaîtront. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes, comme sur TikTok ou sur des trucs comme ça, qui montraient des statues, qui montraient certaines choses, dont les voitures avec certains youtubeurs qui s'étaient crash, qui avaient bugué en fond de la map sur les premières saisons et trucs comme ça. C'est vrai que ça fait un petit clin d'œil et c'est vrai que c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on passe et qu'on ne remarque pas. C'est vrai que bah là, si quand on passe, quand on regarde pas vraiment, on se met là, on se dit bah c'est un caillou quoi. Mais c'est vrai que si on regarde bien, on dirait un peu. Alors si j'arrive à voir la carte, je voudrais vous la mettre là. Mais ils étaient un peu à droite à gauche sur l'île d'avant, et c'est vrai que bah, c'est plutôt intéressant. Alors est-ce qu'il va y avoir un retour de certaines choses qui serait plutôt intéressant? Donc c'est plutôt cool. Donc, alors maintenant, alors je vais pas durer 15 jours ou quoi que ce soit. Alors, je vais quitter. Alors, je coupe juste maintenant. Donc, j'ai coupé. Normalement, vous m'avez en plein écran. Je vais juste changer. Et là, on va aller sur une map XP qui est Subway Surfer sur Fortnite. Et c'est vrai que je passe pas mal de temps dessus. Et pour pas vous dire, je crois bien que bah, depuis que j'ai vu ce petit jeu Subway Surfer, ben j'y passe des heures et des heures. Alors c'est pareil, vous pouvez y être, hop, image numéro 2, vous pouvez passer des heures et des heures dessus. Ça me rappelle un peu ta gueule, la bouteille. Ça me rappelle des moments sur le téléphone où vous essayez de battre votre record et qu'en fait, ben, soit il y a le train qui vous rentre dedans, soit il y a la pancarte, vous trompez quand ça va trop vite, machin. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui font que. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que ben, la personne a fait une grosse update dessus. Apparemment, la zone va moins vite. Donc c'est plutôt cool. Début, donc c'est parti. Donc c'est plutôt intéressant. Après, le but c'est pas non plus. Ouais, c'est clairement la mise à jour a été. Voilà. Le souci c'est que là, le truc c'est que j'ai pas vu le train. Ça va. La zone au début était
punaisement rapide. Alors, le code de la map sera marqué en dessous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que clairement, je pense que. Voilà. Mais on ne le voit pas non plus tant bien que mal. Mais c'est vrai qu'avec. Ben, quand on va vite ou quoi que ce soit, c'est un peu short de pouvoir faire des trucs pas mal. Par contre, c'est très short quand même quand vous sautez. Alors, il y avait quand même un minimum. On avait quand même le temps de pouvoir se déplacer. Et c'est vrai que là, bah, c'est quand même notre joueur. Et c'est vrai que il y a quand même 2-3 trucs qui sont encore difficiles à faire. Il y a certaines choses, alors moi c'est vrai que c'est pareil, au début on pouvait passer au milieu. Et c'est vrai qu'ils ont réglé ce problème où on peut plus passer au milieu, donc c'est plutôt cool. En fait, le bouton il me glisse les doigts. Non. Oh, il y a quand même ce système où on a quand même un peu plus de. Des trucs pour que ça soit. Alors il y a des morceaux de pièces de punk et il avait dit qu'il allait les récupérer. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais il faut. Première. On embraye direct. Ok, d'accord. C'est clairement. Ça par contre, ça y était pas. Wow. Par contre, les trains sont trop. Pas assez espacés, je trouve. C'est peut-être moi, mais. Ouais, je trouve que les trains sont pas assez espacés. Alors, je vais faire les 5e. Hein, y a les 5e. Ça mange pas de pain après tout. Hein. Et je vous invite donc à me rejoindre si un de ces quatre voulait qu'on fasse un truc comme ça, tous en vidéo, et j'ai bien envie de faire de la pub un peu à son Twitter. Oh bah oui. Oh bah non. Ah bah non. Or je reprends en arrière. L'ordure du train où tu te coinces. Non, bah non. Dans ces coups de temps là qu'ils mettent des planchers. Ils mettent un plancher pour qu'on puisse passer au-dessus du train, parce que là clairement ça m'a fait normalement tu devrais même pas pouvoir, tu devrais même pas sauter normalement, tu devrais pouvoir passer normalement. Alors moi je vous invite à si vous voulez prendre son code de création, faites-le. Alors après moi j'ai déjà J'ai déjà quelqu'un que je suis. J'évite de changer trop de code de créateur. Parce que. Mais après, ça vous fait dire. Si vous voulez faire des trucs, voilà. Moi, je sais pas si je m'en ferai un avec les 4. Alors, petite chose, c'est que si j'atteins les 1000 abonnés, déjà, moi, je le fais parce que je regarde. Je pense que pas mal de personnes regardent certaines personnes, mais il y a un youtubeur en particulier que moi j'apprécie. C'est Amixem. C'est pas beaucoup de youtubeurs qui fait des vidéos avec d'autres avec des abonnés. Et ça c'est cool. Parce que il n'y en a pas beaucoup qui.
qui se dirait bah tiens ouais je joue avec toi machin, sauf que ben il y en a peu, clairement vraiment très peu. Et ça je remercie les personnes qui font des vidéos avec leurs abonnés, parce que ben clairement il y en manque, il y a pas beaucoup de youtubeurs qui font ça, et ça c'est vraiment... Alors je sais pas comment je fais pour jouer en même temps que... Oh putain. Eh mais je suis coincé là. Score 545, ok. Après, c'est très très chaud, mais j'ai envie de vous dire, c'est plutôt intéressant. Donc, change de map. Donc, on coupe. On coupe. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que voilà, ça varie. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt très très cool, même. Et une autre map. Je crois bien que je vous l'avais déjà présentée. Mais je me rappelle plus, je crois que j'avais fait... Non, je crois même que je l'avais pas fait, mais bon, ça fait pas trop de mal de revenir sur une map. Donc run party, je sais plus si je l'avais fait ou quoi, donc piste 3. Pareil, c'est une map de sprint, de sprint. C'est une map de zone, hein, clairement, c'est une map où vous devez faire un parcours. Mais c'est vrai qu'il devrait y avoir quelques petites mises à jour. Donc rajouter par exemple certaines choses comme des pièces ou des trucs comme ça pour avoir de l'XP. Mais sans que ça soit abusé. Sans que ça soit abusé, parce que le souci c'est que... Ben... Oula. Ça la gouille! Sans que ça soit abusé, alors pareil, hein, bon, il y a les bananes. Alors attendez. Le souci, c'est que cette map, je trouve qu'elle est buggée. Je vais quand même mettre le code parce que voilà, ça me fait plaisir. Alors, début du jeu, alors bon, tant que vous êtes pas au bus, mais vous avez des bananes à XP. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent des bananes, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, hein. Ça a toujours été le système banane, je crois bien que système banane a toujours été, mais c'est vrai qu'ils pourraient mettre autre chose, parce que c'est vrai qu'on a les bananes, on a les poules, on a les cochons maintenant, qui existent, et je crois bien que la vidéo a schlag, donc attendez, je vais remettre, je coupe. Et je remets. Et piste 4. Voilà, piste 4. Donc, on est ici. Attendez, par contre, il y a un nouveau truc là. J'avais pas démarré. Youbus. Parcours. C'est quoi ça? Faut les trouver sur la map. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on n'a pas d'armes. Ah, si. Ok, ça fait de l'XP en plus. Ah, c'est plus. J'avais pas vu l'arme, hein, alors par contre la bordure devrait être truc pour accueillir plus 20. C'est quoi ce système? 20. Je pense que ça doit être le nom. Je pense que
que ça doit être le nombre de balles? Non, parce que ça se trouve à la adresse. Bon, bah écoutez, je sais pas. Je pense que c'est pour changer à la place du parcours, donc vous avez ça. C'est plutôt cool. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc, ah oui, non, ça se remet pourtant pas, c'est bon. Mais par contre, ça m'enlève l'arme une fois que vous avez quitté le système. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous pouvez pas tirer sur les gens. Et le petit parcours qui fait plaisir. Donc à partir de la zone, vous commencez. Et là, voilà, soit vous prenez votre temps, parce qu'il y a des bananes un peu à droite à gauche. Mais je crois bien que je vous avais déjà fait un truc comme ça. Mais j'avais pas récupéré toutes les bananes. Le souci du jeu, c'est qu'à un moment donné, il peut. Pourquoi ? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais il plante. Moi, j'ai le système du jeu qui plante. Dites-moi en commentaire si c'est normal pour vous. Donc, vous avez le code qui va s'afficher juste en dessous. J'ai mon personnage qui bug. Ok, d'accord. On va passer. C'est vraiment parcours. C'est. Alors, je vais aller jusqu'à 10 pour vous montrer un peu le système. Alors, par contre, il devrait mettre des systèmes de boost. Parce que le souci, c'est que, ben, comme vous le voyez, alors là, par exemple, je suis bugué. Si vous prenez ces trucs-là, il faut faire attention à bien sauter, parce que sinon, vous buguez. Mais c'est vrai que c'est intéressant de faire des parcours. Ben, le système ne calcule pas le truc et c'est très, très chiant. Donc ben, le maximum c'est 100, hein, comme vous le voyez. La map est très très longue. Vous pouvez pas là par exemple, vous pouvez pas aller à droite. Je crois même que j'ai déjà fait la map, mais c'est vrai que c'est intéressant si vous voulez vous faire quelques XP. En plus de ça, je vous entraîne au parcours. La banane, là, on peut pas la casser. C'est pas la peine d'essayer de la pulvériser. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelques endroits où ça bug un peu, qui est un peu dommage. Mais c'est vrai que c'est un bon parcours. Il y a pas mal de petites choses qui sont intéressantes. Faut juste suivre le parcours et vous arriverez à destination assez facilement. Je vais aller au point de neige et puis après je vous laisserai en décider sur la vidéo. Dites-moi en commentaire comment si vous voulez la tester ou quoi que ce soit. Pareil, si vous voulez qu'on la fasse avec vous, si vous voulez que je la fasse avec vous ou quoi que ce soit, si vous voulez me rajouter en ami, ça peut toujours. Putain, ça c'est chiant par contre. Le système de saut et de sprint, parce que vu que le sprint vous l'avez pas tout le temps. Deux fois sur A. Là vous suivez les flèches, hein, bien sûr. C'est pas le temps, hein, qu'il faut. Le temps, si vous voulez faire de votre mieux, faites-le. Mais je vous conseille pas, parce que clairement. Parce que entre les bananes, les quelques petites choses qui sont à droite à gauche qui peuvent être intéressantes. Surtout que la map est très. Il devrait y avoir plus de boost, boost de vitesse. Peut-être un peu plus de. Au niveau banane, moi je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Parce que les bananes, c'est trop d'XP. Et ça
vrai que je suis passé à travers le machin. Faites gaffe parce que normalement cette plateforme est buggée. Donc rappelez-vous, entre vers la zone achat, ouais, la zone elle est buggée. J'ai quelques fois où bah moi ça me fait comme si j'avais un labyrinthe en face. Et c'est très chiant. Bah j'ai pas récupéré la balle, j'ai fait un double saut, pas grave. Et on arrive à la fin de la zone que je voulais arriver. Alors déjà, vous avez quand même un peu d'XP qui se gagne grâce au temps que vous mettez quand même. Parce que quand vous quittez, vous gagnez du... Merci. C'est quand même buggé, il y a quand même certaines choses. Là par exemple, cette balle, je sais pas quelle piste ici. C'est les bugs. Ils auraient pu mettre un plancher là, parce que clairement quand vous sautez de trop, ben, ça vous fait tomber. Alors je pense qu'il faut sauter directement à la banane, mais bon, comme dirait l'autre, vous n'êtes pas obligé. Et bah ben, là, à partir de là, ben, c'est un parcours enneigé, donc là, pareil, il y a des bananes. Vous trouvez la sortie, alors c'est assez simple je trouve quand même. Il n'y a pas vraiment, faut suivre, il y a plusieurs chemins à un moment donné. Mais là par exemple, c'est très très casse-couille. Ah non, c'est pas par là. Et si pourtant il y a la flèche. Ah putain. Ah ouais, mais il y a un souci là. C'est pas possible. Vous voulez passer comment là? On peut pas sauter. Bah non, mais comment on fait là? Parce que déjà le double saut, on peut pas gérer le double saut, la vitesse. Et le double saut, alors heureusement qu'il y a le TP à cette zone, mais on peut pas, à part si on peut grimper sur les flèches. On peut grimper sur les flèches, par contre ça c'est abusé. Donc voilà, donc après bah, vous quittez, vous gagnez normalement un peu d'XP. Vous gagnez un peu d'XP qui est plutôt cool je trouve. Vous avez gagné un peu d'XP, si vous le faites ça, ça peut être intéressant, mais voilà. Donc je vais vous laisser sur ça, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé, donc dites-moi pour les premières parties, donc les golems et les statues de Pâques qui reviennent. Alors je sais, Pâques était là, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est bizarre quand même qu'ils aient mis des trucs comme ça, donc voilà. Pour la map Subway Surfer, moi je trouve qu'elle est cool. Je trouve qu'il y a par contre les trains sont vraiment très très rapprochés. Et c'est vrai que ben, c'est pas comme le jeu où vous restiez droit et il y avait juste à aller à gauche, à droite, sauter, descendre, machin. Et c'est vrai que là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il devrait simplifier certaines choses, mais moi je le trouve très bien. Donc le code était en dessous de la vidéo. Et pareil pour cette map run party. Donc si vous voulez inviter des potes ou quoi que ce soit, allez-y, faites-vous plaisir. Et vous vous amuserez à essayer de battre des records, à essayer de faire des choses. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres trucs. Alors bien sûr, il faut que je tombe sur des maps, parce que je tombe sur des maps. Sauf qu'il y a des maps, elles sont complètement pétées. Il y a des maps, elles servent à rien. Clairement, à attendre juste son XP, ça sert à rien. Clairement, là oui, ça serait de supprimer les maps, parce que se dire, bah voilà, tiens, il faut faire ci et ça, voilà, et puis s'asseoir et puis attendre, ça sert à rien. Moi, pour moi, je suis désolé, mais une vidéo où vous me verrez un de ces quatre vous dire, bah tiens, tu peux gagner de l'XP en
sautons sur un toit et puis attends, ben voilà, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Attendre son XP et puis gagner 4000 XP pour rien, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Je préférerais vous montrer des maps où, par exemple, c'est Subway Surfer, du run party, même si vous gagnez peu d'XP, même si c'est vous gagnez pas tant que ça, mais au moins vous vous éclatez, vous vous amusez avec vos potes et ça c'est intéressant. Donc je vais vous laisser sur ça, dites-moi en commentaire comment vous l'avez trouvé, n'oubliez pas de vous abonner, ça mange pas de pain. Moi, je vous remercie encore, mon Insta, je en parle, mon Insta est en lien de description, ou sinon c'est Drag Survie, ça mange pas de pain. Je vais mettre 2-3 trucs, comme les trucs de Noël, les cadeaux, les machins, les sorties de vidéos. Alors cette vidéo, je l'aurais pas mis, mais pour la prochaine vidéo, normalement, il y aura un petit tweet en disant, voilà, vidéo sur tel jeu et tel jeu, et ainsi de suite. Les vidéos aussi où je vais entamer les lives, parce que je vais reprendre les lives sur Twitch, qui seront en lien de description. Le Discord, il n'y a plus de Discord pour le moment. Le Discord, je l'ai supprimé parce que, voilà, on passait pas assez de temps. Moi, j'y allais plus. Clairement, j'y allais plus. J'entretenais plus ou quoi que ce soit. En plus de ça, on pense, entre parenthèses, on pense s'être fait pirater avec mon frère. Mais bon, comme dirait l'autre, on s'en fout parce qu'on s'en occupait pas. Et donc, j'ai supprimé le Discord. Si je refais un Discord, le Discord sera en description. Mais pour le moment, tant que j'ai pas mis l'abonné, je referai pas. Et autre façon, si je refais un Discord comme ça, ça sera avec les abonnés. Et il y aura vraiment des trucs à droite à gauche qui ne font pas partie, par exemple. Entre les abonnés et les modos, je vais pas mélanger les chaussons et les chaussettes. Donc voilà. Merci encore, passez une bonne journée. J'espère que vous avez passé de bonnes Pâques. On se dit à la prochaine, les gens. C'est Drag Survie et peace!